Ce week-end, on a pris la route direction Lyon pour passer une journée à Walibi. Au début, Rose faisait sa belle. Et après, elle a eu la bonne idée d'ouvrir la porte en plein milieu de l'autoroute. Moi, j'ai eu mes nausées pendant 3 heures de route. Avec 40 degrés dehors, on adore. On a fait une pause Leclerc pour des achats très utiles. Et j'ai essayé de faire des bulles, mais je suis pas douée. Quand on a vu les graffitis, on savait qu'on arrivait à Lyon. Et 15 minutes après, on est arrivé à l'hôtel. On a été super bien accueillis. Et surtout, il y avait la clim. Et des M&M's, ils ont fait les choses bien. Bon, à peine rentrée, Rose a quasi tout bouffé. À l'heure du repas, on a décidé d'aller manger chez le chinois. On s'est installé et là, Stéphane a commencé à regarder les prix. On aurait eu une addition de 120 euros, alors on est parti. On a fini par manger tacos, 27 euros et c'était nickel. De retour à l'hôtel, on a dormi. Le lendemain, petit déj, et c'est l'heure de reprendre la route pour partir à Walibi. Arrivé sur place, on avait bien chaud, mais on n'a pas oublié les petites oreilles de kangourou pour Rose. On est allé direct acheter à manger pour calmer mes nausées, un magnifique panini, et tout l'après-midi, j'ai regardé la famille s'amuser à faire des attractions. Et oui, car enceinte, je pouvais rien faire. Rose a fini par du dada, et on a repris la route pour 4 heures sous 49 degrés. Bref, l'important, c'est que les gosses ont kiffé.